Bonjour à tous et à toutes, ici on va donc faire la suite de l'aventure de notre Nutrop sur Dofus. On est en live, donc on va être parti. Allez hop, et voilà. Alors, ouais. Sur la carte du monde principale, c'était pas ici. Alors que je me souviens, parce que ça fait 2 jours que je me suis pas connecté. Je savais que je devais faire un couteau de chasse, mais je ne sais plus où c'était. Donc, le son qui est en train de me briller une oreille. Voilà. Donc, pour ceux qui vont me demander pour les heures de live, etc., là il est 19h. Moi je regarde toujours Koh-Lanta, donc. Automatiquement, ça va être Fissa, ça va être vers 20h30 du coup près, donc j'essaie de faire 2 x 45 minutes, et donc voilà. Salut Agent Kaiser, et salut... Ah bah, Agent Kaiser aussi, ok. C'est sur Twitch, les messages sont plus petits, sur stream. Alors, on avait donc le couteau de chasse à fabriquer, couteau de chasse qu'on n'avait pas la recette. Mais on pouvait faire du bouillon de chair. Donc on va d'abord aller voir pour le bouillon de chair. Ah non, le bouillon de chair, c'est juste qu'il me fallait le couteau de chasse pour le faire. Donc ici ce qu'on va faire, on va finir le couteau de chasse. Alors le couteau de chasse, il fallait... Je sais plus ce qui me manquait. Qu'est-ce qu'il y a lui? Oh bah t'es qu'on est là. Voilà, que ça c'est fait. Il nous a mis le truc à jour. Ouais. Hop. Alors, à droite, et hop, c'était ici. Fallait rentrer. Et donc, on va vérifier la recette. Non, c'était pas ça. C'était ça. Ok, donc il y avait ça, le meule pour la pierre, la fonderie, le moule. Ah, l'enclume. Couteau de chasse, on peut le faire. Vous ne possédez pas tous les ingrédients. Ok, il nous manque quoi? Le fer, j'en ai assez. Ça, j'en ai assez. Ok, c'est des plumes chimériques qui me manquent. Ah ouais, le fer, il me dit qu'il m'en faut 5. Eh mais le fer, j'en avais 6, c'est quoi ce délire? C'est comme les feux intérieurs, j'en avais plusieurs. Bon, on va aller rechercher ça. Ah bah oui, voilà. 6 feux intérieurs. Ok, il manque un feu intérieur et il me manque... Ah, et puis me chimérique, j'en ai assez. Pas con. Ah ok, voilà, ils me disent ce qui me manque maintenant, ça s'est mis à jour. C'est donc les feux intérieurs, donc on va essayer d'aller chercher les feux intérieurs. Qui se drop bien sûr sur les feux follets. Hop. La musique des sorts, pas de soucis. Voilà. T'es sérieux là? Non, un peu. Non. De joie. Ah, là il y en a un peu plus, j'aurais plus de chances de d'en dropper. On va se mettre ici. Ok, je dois donc tuer celui-là en premier. Voilà.
Comme un con, en plus je tire à la loupe dessus, alors que vous voyez, les résistances sur bas à droite, il y a 29% de résistance à la flotte. Bon, c'est pas grave, prochain tour, il est mort. J'ai eu mes feux intérieurs. Donc on y retourne. Bon, je sais pas pourquoi chaque fois il me prend des screens. Je cherche après pour le screen, mais... Voilà, prends une capture d'écran. Bon, on va mettre ça sur print screen, hein. Je peux pas. F12, ouais. Truc que je toucherai jamais. Mage plus F12. Voilà. Je suis con, hein, des fois. Ouais, je sais, y'a pas que des fois, mais bon. Ah, ça m'évitera de prendre tout le temps des screens. Alors, c'était où? C'était droite haut. Alors, la seule chose qui était bien vraiment avec Wakfu, c'est qu'il y a plus ce changement de cadre. En fait, c'est une carte immense, mais les lags qu'il y a dessus, c'est vraiment abominable. Enfin, c'est même pas des lags, c'est des. Y a beaucoup de joueurs, donc du coup, bah, ça charge, ça charge, ça charge. Voilà, achète du bûcheron. Il me faut du fer. Ok, donc il faudra peut-être que je fasse la hache du bûcheron quand même. Et bah, Dofus, c'était un vraiment très bon jeu. C'est un très bon MMORPG que j'ai purgé à l'époque pendant des années. Ouais, c'est vraiment sympa, mais les options sont vraiment énormes. Hein. Franchement, une fois que tu es à partir du niveau 60, tu commences vraiment à pouvoir faire tout ce que tu veux. Et il y a 200 niveaux, donc. Bah, Dofus, moi, s'il y a des gens qui sont à mon niveau, il n'y a pas de souci, je veux bien en faire. Hein. Je vais juste aller voir si ça peut un peu de fer en vitesse pour faire ma lâche. Ok, comme des gros sales, ils sont en train de camper les ressources. Ah, il campe. Ah, c'est chiant. Faut vraiment tomber sur le spot et être le premier à arriver dessus. En plus, la mine elle est pas immense ici. C'est pas comme les mines qu'il y a vraiment dans le vrai monde de Dofus. Parce que je rappelle que là on est quand même sur l'île entre guillemets tuto. Il n'y a pas assez de fer. Ah, même si je voudrais vraiment, je pourrais aller à l'HDV et prendre du fer. Bon, on voit qu'il y a des clés, des graines. C'est dommage qu'il n'y a pas des trucs de la panneau du puits bleu, sinon ça j'aurais pris. Pourtant le fer ça repousse très vite hein. Les fers comme on voit ils sont là sur les murs normalement.
Faut dire que là, je joue en journée et pas en soirée. Et comme c'est beaucoup des. Enfin, il y a beaucoup d'adultes, mais il y a beaucoup d'enfants également sur ce jeu. En plus, on est vendredi, donc fin de semaine. Alors. Forcément, tous les Kevin sont sortis. Bon, tant pis. Je ferai ça plus tard. Tu ne sais pas demander dans la liste. Donc, j'ai couteau de chasse. Ensuite, avec. Ah, peut-être qu'il lui vendrait ça. Ouais, non. Donc on est là, si juste à côté, on va le faire. Oh, c'est pour ta l'autre zap, donc c'est là. Hop. La quête. C'est là où je suis, c'était. Si vous voulez lire, je vous laisse faire pause quand vous serez hors live. Parce que bon, moi l'histoire je la connais par cœur, hein, vu que j'ai recommencé 10 fois le jeu avec des persos THL. Alors, ensuite. Sérieux, il va me demander de faire toutes les stèles. Bon, admettons. Et l'autre c'était quoi? Il fallait faire les tranchettes. Hein. Le bouillon de chair. Je sais plus comment on fait ça. Ok, en gros, elle me dit d'aller me faire foutre. Bon. Merci Kaiser. De préparer de la viande. Popopom. Pour le bouillon entier, il faut quoi? Il faut de la viande comme ça. Cette viande-là. Popopom. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on récupère ça. La viande est tangible. C'est des animaux moribonds ou désincarnés. Ok, donc sur les feux follets, encore une fois. On y retourne. Hop, on va essayer sur ça. Ok. Hop, je pense que c'était Kaiser, ça. Ouais. Alors, l'accélération ne me servira à que dalle. Évidemment, je trouve que sur des monstres qui ont des résistances à la flotte. Oh, cette petite merde qui va me faire chier. Elle meurt. Ok, donc c'est pas comme ça que je vais récupérer ça. À moins que je puisse dans le menu.
Non. Non. On va regarder. Est-ce que je connais des esprits désincarnés? Oui, les feux intérieurs. C'est pour le couteau de chasse, mais pas pour la bouffe. Faut peut-être que j'équipe tout simplement mon couteau de chasseur, je suis con. Ok, on va essayer. J'ai jamais été chasseur, je supporte pas ça. Bon, tant qu'on est, on va faire la stèle ici. Alors, on va redescendre doucement. Il vendrait pas de la viande, lui. Ouais, ce truc de base. Ah, ça faut niveau 10 de toute manière. Ah, niveau 4. Ouais, à la rigueur. Merde, j'ai pas assez sur moi. J'ai assez sur mon compte en banque. Mais pas sur moi. Merde. Oui, là, j'ai joué, mais j'ai joué à 2.0. Là, on est à 2.34. Ça fait un moment que j'ai pu jouer, donc. Et comme j'ai jamais fait de chasseur, je sais pas comment ça fonctionne. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça non plus. Bah, question de goût, y a des gens qui aiment bien, y a des gens qui aiment pas. Je peux pas faire toujours du block and load, du Heroes of the Storm, etc. Hein. En plus, Waku et Dofus, tout le monde m'en demande depuis des mois, donc. Et bien sûr, c'est ceux qui demandent qui sont jamais là. Sur les esprits, donc ce serait peut-être sur les autres. Pom 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 pom. Normalement, il doit y avoir des esprits par ici, des feux follets, etc. Bon, après, de la... c'est des pâturages, un truc à faire. Ça avance ma quête au moins. Alors, ouais, ça se bouffe pas. J'aimerais finir cette foutue quête quand même. Ouais, mais non, mais c'est pas ça. C'est juste que ici j'ai une quête où que je dois faire. Je dois fabriquer du bouillon tiers, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je traque, mais je sais pas comment on fait. Moi, je sais bien ce que je vais faire. Moi, je vais faire minerai bijoutier comme je fais toujours. Léger l'anneau plus APA en forge magie, c'est ce qui m'a toujours rapporté un brin. Mais chasseur, je sais pas du tout comment ça fonctionne et ça commence un peu à me gaver quoi.
Ah, mais abonné, je le suis abonné. Mais c'est juste que ici, je fais en entier. Hein. Je fais d'abord une carnage, puis après, je descendrai sur Astrub. Après, on fait le donjon des chasseurs. Hein. J'arrive à finir cette foutue truc. Voilà, c'est ça. Chasseur, chasseur, chasser. Le problème, c'est que je sais pas ce que je dois chasser pour avoir sa truc de merde là. Ah, bah hop, il y a une stèle ici. C'est une de moins. Ouais, niveau 51, qu'est-ce qu'ils foutent là? Sérieux. Salut Big Wolf. Une quête là encore. Consulter la recette qu'on me donne pas, bien sûr. Buck Power. Lire la recette de la galette d'Incarnam. C'est Dofus. J'avais déjà fait en live il y a quelques jours. Là, il y a les deux vidéos, enfin, les deux premières vidéos que je suis sur YouTube, mais il faut que YouTube accepte de les passer en HD, sinon la qualité est complètement dégueulasse. Toi Drax, vu que tu sais comment on chasse, est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'on chasse ces foutus trucs? Est-ce qu'il faut chasser pour avoir cette quête-là? Que je puisse enfin la finir. Ah, mais sur YouTube aussi, elle l'est, mais le problème c'est que quand tu uploades des vidéos sur Twitch, sur Twitch, moi, sur YouTube, il y a tant, il faut. Si t'as une vidéo d'une demi-heure, ça prend une heure pour que YouTube te dise ok, elle est en HD. Sinon, il propose aux utilisateurs que du 360p en attendant qu'elle soit validée. Dofus est gratuit de base jusqu'à Astrub et une zone autour de Astrub, mais tu seras limité dans pas mal de choses comme le niveau maximum du métier et la zone touchable. Sinon, c'est 5 euros par mois. Mais les 5 euros, tu peux les farmer hors jeu si vraiment t'es un gros farmer. Ouais, pour le live, mais une fois que t'es hors live, vu que moi j'enregistre des vidéos puis je les upload à part, parce qu'il faut que je les monte, etc. Et bien forcément, bah il faut que YouTube les accepte déjà. Une fois qu'il les accepte, il faut qu'il les traite. Une fois qu'il les a traités, il faut qu'il me les dise, ok, elles sont en HD. Et après, ok, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Et bien après seulement, je peux cliquer mettre en ligne. Enfin, je peux mettre en ligne avant, mais vous allez avoir une qualité 360p et pas la qualité HD, parce que YouTube les aura pas encore validés, quoi. Farm to win, bah un peu comme tous les MMORPG, et si tu fermes pas ton stuff, tu l'as plus dans l'os quoi. Hop. 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 Le couteau je l'ai, mais ah voilà, viande enfin, j'en ai droppé donc c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, je sais plus combien est-ce qu'il m'en fallait. Deux, je crois. Bah écoute, quand j'aurai le niveau, j'irai faire le donjon pouf tout, etc. Bon.
J'ai mes deux viandes. Étape suivante. Hop, hop. Ah, je m'a demandé de faire l'aventure à 100%, donc je la fais à 100%. Mais à 100%, ça veut dire que je vais me taper toute la ville d'Incanam, sinon je serais déjà allé à Montgolfière pour descendre à Astrub. Je serais même déjà en train de farmer pour pouvoir aller Brakmaria, parce que bon, moi je suis Brakmaria normalement. Alors c'est mon métier de mineur et de faire les mines d'Astrub et de Brakmar. Et bon, vu qu'on m'a demandé de le faire à 100%, je le fais à 100%, je suis bon joueur. Voilà, c'est fait. Plus qu'à y avoir l'autre tapette là pour valider la quête. Donc à droite et à au-dessus. Mais sinon, ouais, au bout d'un moment, c'est du farm. Hein. Tu farmes ton métier, tu farmes bah, les trucs, etc. Après, à plus haut niveau, tu peux farmer le Coliseum aussi. Je sentais qu'elle allait me demander d'aller farmer le fer, je sais pas pourquoi. De la ferrite, et ça, c'est quoi? Des planches. Pour les planches, il faut le bois. Pour avoir le bois, il faut le truc de hache. Pouah, ça me saoulait. Des trucs comme ça de base, c'est un truc qui me gonfle. En plus, il n'y a pas de banque ici, sinon je serais déjà allé chercher sur mon compte en banque ce qu'il fallait. Ouais, c'est à droite encore. Ouais, mais j'ai déjà fait, hein. J'ai eu des persos niveau 200. J'ai tout supprimé, j'ai vidé tous mes comptes en banque. Il n'y a que ici sur ce compte-ci que, comme j'ai pas encore accès à la banque, j'ai pas pu aller le faire. À 100%, je vais pas faire non plus à 100%, faudrait que ça me réalise. Juste qu'une caranam, c'est pas très compliqué à faire, donc ça va encore quoi. Ok, il me faut juste du fer pour pouvoir la faire. Mais du fer, le problème c'est que la mine ici, elle est peuplée de Kevin vendredi après-midi. Ah, voilà, ils sont déjà devant les spots. J'ai monté quasiment tous les persos sauf le Sacrieur que j'ai pas monté. Allez, sérieux, qu'est-ce que tu veux foutre? Y a pas de fer, y a trop de gens pour 3 pièces, allez. Mais Dofus, j'ai même à l'époque participé sur Cadernis, donc site de piratage Dofus, pour créer des bottes et tout, vu quand j'étais Kikou, il y a une 10-15 ans, un truc comme ça. J'avais carrément fait des bottes pour farmer et tout, je les utilisais pas parce que moi j'aime bien farmer tout seul, mais il y a des gens qui m'en avaient demandé, donc je les avais fait. Hip. Et de le voir. J'ai complètement flashé en fait. Ben ouais, ben moi je jouais à Enu, c'était aussi à Enu O que j'avais appris commencer à parchoter en terre pour pouvoir avoir vraiment les malus quand les gens se rapprochent d'un peu trop près. Histoire de leur dire, quand t'es à distance, tu prends une bonne pelle massacrante de la tête, mais quand tu es au cac, vas-y, viens, j'ai la terre. Ouais, bah c'est pas grave. Hein. Moi je m'en fous et je fais ça pour le plaisir. Hein. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont pelé pour avoir du Dofus. Donc du coup, bah, je fais du Dofus. Ils regarderont à différer sur la chaîne, hein, c'est tout. C'est juste que le live ici, je l'ai fait vraiment à l'arrache. Bon, écoute, c'est quoi? En bas. À gauche. Mais il y a des gens qui sont sur Twitch là, aussi.
Ok, donc ils votent de tout sauf des métaux. What the fuck? Peut-être à l'hôtel des mineurs qu'ils en vendraient, mais. Et à Incarnat, le problème c'est qu'on n'a pas tout comme à Astrub, et ça c'est la merde. Bah, tu veux farmer? Il y a pire que Dofus, hein. Tu joues à. Albion Online. Là j'attends que Albion Online il soit wipe, parce qu'il va être wipe normalement en août. Dès qu'il est wipe, je retourne dessus. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ma chaîne sur ce jeu, j'adore, mais c'est un jeu, faut être no life, faut farmer en permanence. Bah, comme je dis, il suffit de follow Twitch ou YouTube, ou de, même mon Twitter ou mon Facebook, et quand je pars en live, généralement je prévais ça avec 10 minutes avant. C'est parce que ici je devais être en cam avec quelqu'un, etc. Puis finalement, bah. Oui, mais non, j'ai autre chose à faire. Je suis, oh, c'est comme ça, c'est bon. Koh-Lanta, ça commence à 8h50, 9h. Je me dis, bah c'est bon, je vais faire un live pendant 1h30, 2h. Ça fera plaisir aux gens. Si j'avais accès à mon autre compte et j'ai du genre 4-5 000 minerais, etc. quoi, c'est abusé quoi. Et ici, je gratte pour avoir 5 de fer. C'est abusé quoi, sérieux. Ah ouais, mais tu vas dire sur Dofus, je vais faire l'aventure à 100%. Je mettrai une ou deux séances de farm quand je serai un peu plus haut niveau dans le farm. Au niveau du farm, je veux dire des métiers, parce que je vais faire bijoutier, mineur et forge magie sur ce personnage. Mais tout ce qui est farm, ce sera des vidéos bonus que si les gens ils vont regarder, ils regarderont. Mais ce sera des vidéos bonus, ce sera pas des vidéos de la suite du truc quoi. Je les ferai pas en live le farm. En live, je ferai l'aventure. Pop, j'ai entendu que ça repoussait. Ah, il m'en manque deux. Le mec qui était là, du coup, il est dégoûté, il n'a pas été assez réactif. Merde. Poum. Il y a une rotation, hein, mais. Maintenant, ils ont ajouté un côté aléatoire au pop des minerais. Pour tous les types de minerais. Or, quand c'est sur du fer, ça c'est pas trop grave, mais quand c'est sur du. Vraiment du plus haut, comme de l'or, etc., tu pleures. Mais si t'aimes bien le farm, faut jouer à Albion. Albion, c'est du farm, du farm et du farm. Du PVP et du farm. Y'a que ça. Quasiment. PVP farm, PVP farm, PVP farm. Et même les mobs, quand tu les butes, c'est pour les tanner, pour les farmer. Donc. Si je serais descendu à Astrub, j'aurais déjà eu mon fer depuis 10 ans, quoi. Allez. Ah, il manque un de fer, quoi. Je perds mon temps à faire cette connerie là. Pour faire sa quête là à 2 balles. En plus, on n'a pas le temps de repop. C'est vraiment chiant. Alors, moi, j'ai une autre quête à faire. Les stèles et cette recette-là. Ouais, c'est ça, on retourne au boulot de la mine. Et oh, et oh, on rentre du boulot. Mais par contre, je sais plus. Non, il n'y a pas le diamant sur Dofus. Je crois que c'est le seul truc qu'ils ont pas mis. Je me rappelle, j'étais parti une fois sur un délire avec les développeurs pendant la bêta. Parce qu'ils disaient, oui, mais le minerai, le cuivre, on le prend pas comme ça dans la mine, quoi. Enfin, c'est une matière qu'on travaille, quoi. Comme d'autres matières, parce que dans Dofus tu peux miner de tout. C'est parce que là je suis en train de m'acharner sur du fer de base, mais le fer c'est la première ressource. Mais après t'as le cuivre, le bronze, t'as les têtes, t'as les ressources, je crois t'en as une quarantaine hein, en tout. Le mec il vient vendre ici, il boit que. Allez, c'est abusé quoi.
Je crois que tourner comme ça sert à rien. Faut vraiment se planquer devant un spot et attendre qu'il respawn. Mais le faire de mémoire, c'était de 7 à 10 minutes. On va plutôt faire autre chose. Ah, déjà 4 de toute manière. Ouais, moi aussi, des gros bronzes. Alors, il manque quoi les comme trucs ici, comme stèle? Celle du lac et des pâturages. Pom-pom-pom. Donc. Les pâturages c'est là et la stèle est ici. Donc on va remonter. Ah, il y a une quête ici aussi. Ok, donc ça va être dans la mine aussi, c'est sérieux là, allez. Bon, moi je suis là, donc ça va pas être à droite, ça va être à gauche. Ah oui, et aussi les deux bandes noires, elles vont bientôt disparaître. C'est magnifique, mon prochain elles disparaissent. Ils vont enfin passer le Dofus en 16-9. C'est pas magnifique ça. Ah, là, la stèle. Oh, pour ceux qui veulent lire, je leur laisserai lire dans la VOD. Et ensuite, c'était celle du lac. Pouah, on pourra trouver. De mémoire, elle était ici. Mais même Incarna, mais ça a bien changé hein, depuis le temps. Bah écoute, là c'est du 4 tiers. Hein. C'est pour ça que j'ai deux bandes noires hein, d'ailleurs. Hein. C'est comme ça depuis que j'ai fait sortie, genre en 2004. Ça change pas, tu sais. À la rigueur, ce que je peux faire. Est-ce que je pourrais. Hop, là il y a un vendeur, il n'y aurait pas dû faire. C'est le moule de mémoire pour ce qu'il m'avait demandé, le mec. Ouais, ça. Et même comme ça, il faut du bois de frêne et du fer. Et pour le bois de frêne, il me faut une hache. Et pour la hache, il faut du fer. Et ils nous ont mis une seule foutue mine dans tout Incarnam. C'est exagéré. Bon, parce que avant, il n'y en avait pas une seule, donc. J'ai essayé hier, ils m'ont envoyé paître. En plus, le problème, c'est que comme j'ai pas accès à la banque ici, je pourrais même pas lui dire, écoute, tiens, prends 100 000 kamas et donne-moi une vingtaine de fer, tu vois. Je sais même pas combien j'ai de kamas sur moi. 132, voilà, et en banque j'en ai plus que 156 000 quoi. Mais à la base je suis pas sur le serveur Hagrid, à la base je suis sur le serveur Bowie, c'est là que j'ai mon pognon, etc. quoi. Oh oui, cours, 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 Forest, cours! Yes! Tant que je suis un peu de la veine, je restais là. Celui-là, il devrait pop dans pas très longtemps, en théorie, si celui-là vient d'être pris. Bah écoute, ouais, bah ouais, c'est ça qui est triste en fait, c'est pour du fer quoi. Sur le fer, tu vas dans n'importe quelle mine, t'en as toujours en masse. En fait, c'est même plus quoi en foutre. Et ici, tu pleures pour avoir 6 de fer quoi. Pour moi, je vais faire déjà ma hache, hein. Tant qu'à faire. Dégage un peu de mon chemin, toi. Hop. Donc la hache, hop, on fusionne. Ensuite. Je pense pas qu'il va me faire faire des forgeurs de grattoir pour l'élevage à si bas niveau. L'élevage, il y a des rares trucs que j'ai jamais touché dans Dofus, ça m'a toujours inspiré, mais les enclos étaient tellement full sur Bowie's que fallait les racheter, c'était genre 300, 400 millions de kamas. Encore un vendeur. Ah, du bois de frêne. Ah, mais j'ai que 132 kamas, je peux même pas en prendre. Ah non, ça prend pas directement sur le compte en banque, il n'y a pas de banque à Incarnam. Ah, c'est la merde ça. Ça me saoule. Qu'est-ce qu'il me reste en quête à faire? Le vestige du lac.
La poudre d'amanite. C'est de la poudre d'amanite en plus qu'il me faut. C'est même pas de la poudre. Regardez, sa poudre d'amanite, je peux pas la faire. Vu que je vais te passer de niveau. La poudre d'amanite, je suis pas quand même pas con. Ça se fait toujours au forgeron, non? Ah, ça c'est pour la forge magie et pour la capture des âmes. Ça c'est que les armes. Ferrite. Comment est-ce qu'on fait la manette? Ça ressemble déjà à quoi la manette de mémoire? Ça me donne des plumes chimériques, mais j'en ai plus rien à carrer des plumes chimériques. D'ailleurs, maintenant, apparemment, il y a des Dofus chimériques, des bouffe-tout célestes, ce truc qu'il n'y avait pas à l'époque. Alors, du coup, bah, il reste plus que le truc des pâturages, on va se le taper. Vu que ça. Pop. Ouais, non, les arbres, ça me coûtait un peu cher, on va y aller à pied. J'ai vu qu'on est encore pauvre, hein. Faut pas changer. La limitrophe qui est pauvre, c'est. C'est pitoyable. Pas celle-là qui me manquait, il me semble. À côté. Non, ça c'est le pêcheur. Et d'être autour du lac, à haute théorie. Hein. Je crois qu'elle est à gauche du lac. Poum. Ah, là. Ah, la quête est faite. Hop, retournez voir Tintin. Hop, elle est près du zap. Hop, non, elle est au-dessus. Hop, à droite. Près du zap, comme je disais. Hop. Ok, bon, on va d'abord aller voir celui du Robin. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée d'accepter de faire un let's play 100% d'Offus? Ah, la patience. Ou la connerie au choix. Poum, c'est. Encore en bas. Alors, ouais, ça doit être droite. Oh, on va regarder un machina, hein. Ouais, cool. On voit le dojo d'un machina. Génial. L'île de Tomaï. Ouais. Eh, c'est à côté de mon ancienne baraque que j'avais. Et Frigost. Frigost, c'est un truc que je trouve qui a tué le jeu. Mais complètement. Enfin, elle est à tout le moment. Maintenant, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'était un truc vraiment dégueulasse. Hop, on va aller voir l'autre pelé qui est tout en haut de la map. Il dira pas de bouffe, tranquille. Qu'est-ce qu'il fout à Astrub? Allez, niveau 42, abuse quoi. Hop, un petit coup à droite. Un petit coup en haut.
si bien je peux mettre ma hache. On peut commencer à prot. Lil Moon avec les sèches. L'île des Wabbits avec leur kawot. Suffokia, l'île de base des steamers. Et Astrub, là on va se retrouver dès qu'on descendra d'Incarnam. Voilà, on a fait le tour de ça. Alors, retevoir Tintin machin. Hop, on y va, on est parti. En même temps, si on voit du bois au chemin, on va se le couper. Hop, il n'y a pas de frêne ici. Ici, on est dans les champs, c'est de Blay. Hop, niveau 8, magnifique. Ah, mais elle me donne pas une autre quête, donc celle-là, c'est validé. Les planches, ouais, mais pour ça, il me faudrait du fer et tout. Lui, je sais pas ce qu'il lui faut. Et la galette, il faut des. Ah, elle dit comment la recette. Papa, il y avait un bouton métier normalement. Ah, c'est pas la map. Métier J. Chic. On va regarder dans le même temps où est-ce qu'elle est la manette. La manette n'est pas là-dedans. Ah, il faudra que je fasse joyeux mage. Et en forge mage aussi. Je serai plus sur le nom, mais c'est joyeux mage et pas forge mage. Alors, du coup. Ça doit être dans le truc des paysans. J'ai pas reçu un item avec la recette par hasard. Ah, niveau 57, ça va tranquille. Ah, logique. Ouais, blablabla. Des œufs, du. Des goujons. Ah, voilà, recette de la galette. Allez, abuse aussi. Faut pas bouger ce truc là. Non. Voilà, la baffe de bouffe tout, je l'ai. Les cendres éternelles. Le lélé. Attends, d'abord les œufs de tofu. J'ai 3 œufs de tofu. Il en faut 2, ok. Papa, il faut 4 mesures. Pourquoi moi est-ce que c'est ça? Ouais, j'en ai 9, ok, c'est bon. 10 épis de blé. Il n'y a plus qu'un. Bon, on va chercher le blé, hein. Hop. Il en manque un. À faire, j'ai chopé celui-là vu qu'il y a le repop. Combien ça m'en a donné? Pile 10, ok. Et il me manque.
manque plus que le Lélé. Lélé qui se drop sur je ne sais plus quel monstre. Sur des vaches, je suppose. Ça doit être dans les pâturages. Donc à droite. Bon, les fleurs ne reprend pas de lèvres, pas rêver. J'imagine pas des bouffe-tout en fait dropper du lait, je sais pas pourquoi. Admettons. Ok, j'ai d'abord tué la petite merde. Allez, à toi. Sale merde. Merci Kaiser. Putain, je suis tellement te pourrir. Ah, j'ai pas encore les sorts pour repousser. Hein. Viens pas se mettre à porter. Hop. La laine, la bave, mais c'est tout. Popopom. Chou, je suis dans les pâturages. Ah, ça doit être dans les pâturages en théorie. Il n'y a pas des genres de vaches ou quoi. Bon, autant dire que je dois passer par la mène. Hein. S'il y a du fer, il va m'en falloir. Encore 5 petites minutes, puis je ferai la pause. Yep, j'ai entendu le gisement. Oh, il est déjà dessus, bah ouais. Bande de chacal! Est-ce que les gens m'en voudront vraiment si je zappe cette quête en fait? C'est des trucs que normalement on est censé faire à Astrub, mais pas ici. Ici, il n'y a pas assez de ressources pour faire ça. Pas avec autant de monde, du moins. Fabriquer la galette, il me manquait quoi? Le lait. Ouais, mais le lait, je sais plus où est-ce qu'on l'a. Hop, regardons en vitesse sur internet. Ok, trouvé. Pourquoi il prend des captures d'écran tout le temps? J'ai même pas appuyé sur la touche, quoi. Alors, où est-ce que ça se trouve, l'auberge? Je suis là, donc c'est un en bas et deux à gauche. Hop, rentre dans la taverne.
Donc le lait, hop, je l'ai là. Et il m'en faut combien? Un litre de lait. Ok. Je vais aller à l'atelier des paysans qui se trouve là, donc à gauche et en haut. Là, ça c'est pour moudre et moi je vais faire cuire. Non, c'est pas ici que ça se fait. Meilleur gelé dans un plat, puis passer le tout au four. Bon, je suis devant le four. Faut donc tout mélanger dans un plat. Et arrête pour mélanger. C'est mal foutu leur explication. Ça a pas changé. Hein. C'est à milice, atelier des chasseurs, tailleur, cordonnier, alchimiste. Peut-être si j'ai alchimiste d'abord. Et la quête, elle s'appelle comment? La galette secrète. Alors. Ah, il y a une. Tous les ingrédients, il faut aller. Ok, la recette n'est pas mise vu que c'est une recette secrète, ce qui est logique. Donc le four. Ah, faut que je retienne de tête, c'est sérieux ça. Retenir de tête à cette heure-ci. Donc faut 10 blés. Ensuite, il faut 4 poudres de perlimpinpin à papin. Il faut 2 œufs de tofu. J'ai un doute sur le truc. Parce que j'ai pas la page derrière donc. 2 œufs de tofu, 1 litre de lait et après 4-4. Donc on met les 10 blés. On met le litre de lait. C'était. Donc 2 œufs de tofu. Hop. Les 4 cendres éternelles qui se trouvent là. Il fait quoi être baffe de bouffe tout déjà? C'était. J'avais dit 4-4. Hein. 5 6, j'oublie un truc. Blé, perlimpinpin, œuf de tofu. Ah, j'oublie pas la papa.
J'en ai. Il se trouve où? C'était 4 aussi? J'ai un doute. Ouais, c'était 4 aussi. Hop. Ah, on a une lettre secrète, c'est pas magnifique ça. Alors. Montrer un tabroc. Hop. On est parti. Ça fera une quête encore de moins raide à faire. C'est en bas. C'était lui. Ok, la bibliothèque se trouve. C'est au-dessus à droite. Ah, bibliothèque se trouve. Ouais, c'est sérieux. Bon. Y a pas un truc. Ah oui, sur la droite. Hop, ensuite vers le haut. Encore chercher des foutues orties. Oh, sérieux, ils me cassent les couilles avec leur truc là. Tard. Ah, les ressources sur Dofus, c'est vraiment la misère pour en procurer. Hein. Surtout dans des zones comme ça, si restreintes, qui demandent à autant de joueurs les mêmes ressources. Même pas des ressources THL ou quoi, donc. Enfin voilà, on va donc s'arrêter ici tout simplement parce qu'il n'y a plus personne, ça fera un épisode de plus. Donc voilà, on espère que vous avez kiffé et à plus tout le monde.